Palais présidentiel, il est un peu plus de 10 heures, ce mercredi 18 septembre 2013, quand les membres du gouvernement déjà en place saluent l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la salle en vue du conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan Duncan, toujours déterminé à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000. Euh, 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour, pour le privé. Et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires, c'est 12 000 lits. Voilà. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la seule explication. Mais euh, nous pensons euh, que c'est l'une des explications à certains comportements déviants. Il est important hein, pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants de mieux travailler, des conditions euh, pour être euh, dans des sites euh, où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins euh, et euh, euh, la réalité de l'offre, euh, l'État seul ne peut pas faire face. Donc l'État euh, permet que des privés, euh, qui souhaitent évidemment exercer cette activité, euh, puissent euh, euh, s'y lancer. Et puis, entre autres décisions, celle est entrée au transport euh, sur la restructuration de la Sotra qui s'avère nécessaire. Et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute, avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage, une grande première en Côte d'Ivoire.